Hello! Bon, je ne vais pas vous faire une petite minute de mano aujourd'hui, je vais vous faire une confession. Voilà, ce n'est pas dans mes habitudes parce que je suis vraiment super discrète sur ma vie. Mais l'année 2018 a bien commencé, oui. Je suis passée dans la Gazette. Voilà. Dans le magazine le plus lu de Belgique qui s'appelle Le Femme d'aujourd'hui. Alors, j'étais un petit peu, comment dirais-je, stressée quand mes copines ont commencé à poster sur mon mur Facebook justement des photos de cet article que je n'avais pas encore lu parce que ça a été la surprise de passer justement dans le Femme d'aujourd'hui à ce moment-là. Merci Marjorie Elich en passant parce que c'est Marjorie, la journaliste qui m'a interviewée. Et parce qu'en fait, j'ai pas l'habitude de me dévoiler, je suis vraiment discrète sur ma vie privée. Et par rapport à ça, il y a quand même certains de mes clients et puis d'autres de mes proches qui m'ont dit, écoute Mano, tu fais des vidéos vraiment sympas sur des sujets qui touchent tout le monde, etc. Mais ce serait peut-être pas mal aussi que tu te dévoiles un peu plus. Alors je prends cet engagement ici, ce soir, en faisant cette vidéo. En vous disant tout simplement que dans les prochaines minutes de Mano, je ne sais pas encore ce que je vais aborder, mais justement, je vous ferai part aussi de certaines choses qui m'arrivent par rapport aux sujets qui sont abordés, soit voilà des difficultés que j'ai pu rencontrer, comment je m'en suis sortie, et ce genre de trucs. Alors, je ne vais pas vous faire des confessions intimes parce que c'est pas mon style, puisque moi je ne regarde pas la télé. Et que je suis pas dans ce genre de trip-là, mais si je peux aussi vous aider par rapport à ça, eh bien c'est avec plaisir, parce que un point dont je parle peu, qui est pourtant le sujet que je travaille le plus avec mes clients, donc c'est l'épuisement professionnel, ce sont les burn-out, et moi j'en ai fait deux, et pendant très longtemps je l'ai caché parce que j'avais honte de ça. Et voilà, donc j'ai décidé d'en parler beaucoup plus. C'est de toute façon dans l'article du Femme d'aujourd'hui. Donc je vous mettrai le lien, vous pourrez le lire pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et puis ça vous permettra de mieux me connaître, de découvrir en fait à quel point j'aime le métier que je fais et quelle est aussi mon autre passion. Et puis je vous dis à très très bientôt. Dans une minute de Mano, dans un article, dans peut-être d'autres confessions. Bye bye! Ciao!